Ceci est le premier d'une série de vidéos dédiée à Panling Tools for Grasshopper. C'est un plugin qui s'installe dans Grasshopper qui nous permet de gagner énormément de temps dans la réalisation et dans la panélisation des surfaces complexes. Sur MacNeilWiki, il y a plein de tutoriels. Soit per Panelling Tools pour Rhino que pour le plugin pour Grasshopper. Il y a plein d'informations, tutoriels et quoi d'autre qui pour tout découvrir à propos de ce logiciel. Ainsi, il y a ce manuel ici, Panelling Tools for Grasshopper, qui est une présentation de tous les composants principaux et une explication de comment ils fonctionnent. De ce manuel, j'ai pris, on va reproduire et répliquer les tutoriels pour découvrir ensemble comment ça marche. Pour commencer, on va faire un cercle. On utilisera une surface fermée, donc périodique. Et extrude Z. Cercle toujours de 10. Voici notre surface de référence. On peut augmenter la qualité des visualisations. On va sur Display, Preview Mesh Settings, High Quality. Puis notre surface de référence, la palette Paneling Tools est là et il nous faudra un grid Surface Domain Number. Ceci, il demande comme input une surface et puis en direction où on va diviser avec un slider, en direction U 15 et en direction V un peu plus 60. Bien, donc on a uniformément divisé la surface avec des points. Maintenant, tout ça constitue une grille sur la surface. Mais la surface, en étant la surface fermée, la grille aussi démarrera et terminera sur la même ligne de points. C'est-à-dire que chaque point de la première ligne se répète aussi en fin de série. Pour faire ça, on utilise un wrap grid component. Il nous faut un grid, puis une direction panel,
0, c'est-à-dire direction X, et 1, c'est-à-dire direction Y. Donc, 0. Un step di ripetizione, e infine un index di départ, ancora una volta, convert to diamond. Et bien, ceci automatiquement va créer un module à forme de diamant. Et enfin, un cellulate grid. Voilà. Donc, en grande vitesse, on a obtenu une série de panneaux diamant.